Alors nous sommes à Aubeterre-sur-Drône. Derrière moi, il y a la statue de Ludovic Tradieu, qui a été le créateur de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen. Nous sommes dans ce beau village pour le lancement de l'agenda rural par le Premier ministre. Donc avec mes collègues membres de la mission Agenda Rural, nous avons eu des échanges avec des acteurs économiques et sociaux. Et à la suite de ces échanges, il y a eu une restitution devant le Premier ministre et Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires. Un certain nombre de préoccupations, de blocages, de freins ont été évoquées. C'est tout l'enjeu de notre mission que d'identifier ce qui va bien dans les territoires ruraux, mais également de bien noter les freins, les obstacles, les verrous qui empêchent en définitive le développement territorial. Il y a des choses intéressantes qui sont remontées, comme la nécessité d'entretenir des lieux de vie et de convivialité dans les territoires ruraux. Il y a la question de l'accès à la santé, à l'éducation, artistique. Bref, des points très très concrets, très pratico-pratiques qui ont été évoqués à l'occasion de ces échanges ici en terre de Charente. Et tout cela va alimenter notre réflexion. Et nous étions vraiment tous très heureux de l'intérêt et de l'attention qu'a bien voulu porter le Premier ministre sur cette mission de l'agenda rural. Là, on a demandé, la DCDC vont aider à financer un petit peu. Voilà, mais c'est juste mis en place et ça, c'est pour 3 ans, je pense, hein, ce que t'es fait. Donc il faudrait perdurer. Vous avez fait un diagnostic préalablement besoins vous avez circulé. Oui, il y a eu des réunions de fête, oui. Financé par qui cette étude, cette audit mobilité? Eh bien, il y a les CDC, je pense qu'il y a une partie la région, qu'il y a le département, mais il faut vraiment le mettre pérennisé dans le temps. Ça tombe ici là, c'est qui bon, ça c'est. Et c'est très important. Bon, on retient cette proposition là, il faudra peut-être qu'on l'examine plus attentivement. Je crois qu'on va devoir s'arrêter. Donc il va y avoir ce temps de... À moins que vous ayez vraiment... Si vous êtes frustré parce que vous n'avez pas pu dire quelque chose, oui. Un complément super rapide sur le numérique important aussi pour les agriculteurs. Bien sûr. De plus en plus de solutions. La 4G partout dans les champs, super bien sûr, c'est évident. Donc, le smartphone au milieu des champs... Alors, à titre personnel, je ne suis pas embêté sur mon exploitation, mais il peut y avoir des endroits et... C'est clair. On est là pour faire sauter les verrous. Hein. Mais il faut qu'on identifie bien le verrou et la clé. Hein. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va vous demander. Et puis, nous-mêmes, on reprendra la parole en fonction d'eux, hein, pour synthétiser un petit peu tout ce qui a été dit, pour dire notre ressenti. Moi, j'ai trouvé en tous les cas que cette réunion était très constructive, très positive, très pragmatique, très terre à terre. C'est ce dont on a besoin pour enrichir notre réflexion dans le cadre de cette mission. Donc, tout ce que vous avez dit a été noté. Peut-être nous envoyer un mail s'il y a des choses qu'on peut faire. Effectivement, on va vous laisser nos coordonnées de manière à ce que vous envoyiez un mail pour peut-être nous transmettre des documents. Moi, on serait très intéressé de votre structure, comment elle a été mise en place. Voilà, il faut continuer à nous alimenter. C'est pas un one shot, hein, on n'est pas ici, là, on est 2 heures ensemble et puis on s'en va et on s'oublie après. Nous, ça nous intéresse d'avoir un suivi. Hein. Et vous avez de votre côté aussi une exigence pour savoir quels sont les résultats de notre mission, on vous les enverra, on les communiquera. Voilà, il faut qu'on ait un échange privilégié. Il y aura une restitution de... Oui, alors au mois de juin. Oui, en juin. En juin, on est censé rendre un rapport.